Qui m'a la pêche là, il est moi? Mais bon, regardez. Waouh! Mais qui sont empêchés là? Moi, c'est couronné, plutôt couronné. Richerville, là, Tisserville qui pense ça, comme d'habitude. Mais et qui m'a la pêche là, en fait? Comment ça se passe? Ben, la pêche, voilà, faut tout mettre quand solide. Faut tout mettre quand on est en main pour ça. Comment on est là? Si vous voyez zin, vous voyez plime, ça dépend de quelle pêche que tu fais. Si tu pêches du thon, si tu pêches du poisson rouge, si tu pêches du couronné, voilà. Et c'est difficile ou pas? Ou c'est vraiment pêcher pour vivre de ça? Moi plutôt, c'est Tiboulom là. Papa, il s'est grand marin pêcher, c'est puis moi qui venu. Et puis moi qui profite de la pêche là, moi c'est en vacances, moi, ouais, sans les amas habiter. Donc voilà, les mois au pays là, moi c'est profiter, moi qui profite au maximum. Alors comment les pêches là? Eh bien, il y a redé parce que la mer est mauvaise. Mais vous êtes allé loin ou pas? Est-ce que vous êtes allé loin? Ça va dépendre. Nous pouvons aller, nous pouvons monter presque dans la rivière, ben nous pouvons aller à 3 km. Pour chercher un dévare et un déton. Mais vous êtes pêché qui ça? Mais vous rapprochez quoi de ici? Mais vous êtes pêché qui ça en fait, quelque part? Vous êtes pêché qui ça? Ah ben, ça l'emmène à Kaba. Si vous êtes là, nous pouvons mettre des plumes pour expliquer moi. Hein. Et puis là, nous pouvons pêcher à la piscine, nous pouvons pêcher un des petits poissons rouges. Poisson, ça gagne, hein. Ça l'emmène à Kaba, nous rappelons. Mais ça dépend. Bon, là, si bon, pas ça, si vous constatez là-bas, là, plus loin, là, la niame des pêchés, là, c'est. L'ancien ram n'est pas fait. Moi, il y aura raison, quoi. Boulet. Comme c'est titon. Ouais, mais là, il y aura pêché à la ligne, moi, ouais. Oui, à la ligne, c'est ton y aura bon, là. Ah bon? Ton titon y aura bon. Une des sortes de pêcher ton. Ton, et puis calamar plastique, là. Venir pêcher ton, et puis poisson vivant. Eh bien, on va constater que la mer, bon, la mer manière. Bon, ici, à nous, on les prêchait. On va regarder ça nous a belle. Je dis à nous, on fait un petit coup. On les lance ouillé. La mer a tellement de mauvais. Alors, on va regarder ça nous qui fait. Alors, ce côté 4 et 5 chers. Donc, on n'arrive pas à tirer 4 et 5 chers. Voilà. Ça veut dire que nous, quand le soleil a couché, c'est le soleil qui a couché, c'est le rôle le plus gros. On va poser une question. Ça qui pue là, dans le métier d'art? Alors, ça qui reste. C'est pas tellement raide, hein. C'est la mer qui est en manière. C'est la mer. Non, la mer, non. Vous grandissez et puis? Voilà, je grandis et puis. Ok, et qui est-ce qui est dans la mer là? Dans la pêche? Ouais. C'est. En fait, c'est la mer pour veiller. C'est surtout les dangers. Soit pas de marcher dans la mer, soit pas suivre la mer, soit pas faire. Soit pas, disons, là on y monte, là on y bateau. Si vous avez fait les vagues là, pour que vous couler. Ah bon? Et si vous avez fait les vagues là bien, eh bien ouais, quand nous là, parce que le rapport vague là, point qu'on aura quand c'est lui qui va venir, c'est lui qui peut entrer dans la vague là. Et vous allez loin ou pas? Oui, il est allé à 3 km, 4 km. Mais à qui côté? C'est dans Baboué, chez un des tons varé, retien, sakini. Et des moments là, quand j'étais poisson là, sans baïki, ça rapporte en tant que jeune, quand ça belle, dit ouais, en jeunesse qui a perpétué les traditions là. Une des jeunes, une des jeunes pêchés? Pas tellement, non. Actuellement, quand on commence, oui, il y a des jeunes qui a pêché. Mais avant, celle qui boulot m'a pêché, c'était moi. Ah bon? Moi là, toujours. Parce que vous dites, papa, on s'est en métamonio. Voilà. Alors, papa, on s'est qui m'a présenté, on s'est mis sur la caille, c'est Paris, papa, on s'est qui m'a. Alors, par moi, c'est Monsieur Montabo. Ah, ok. Et Monsieur, c'est un nom, c'est un grand pêcheur. Un grand pêcheur, voilà. Ok. Qui est-ce que le message ou la jeunesse qui a des missions d'alors? Comment c'est une bête à faire encore pêche là? Une bête? Il travaille toujours. Si on le fait bête, on a les petits bougles là devant la rue, on fait n'importe quoi. Vini pêcher, pour acheter des tisins, des tufils, des tisins, des tiplons, à l'acheter là. Quand on regarde, on nous a drivé dans la rue, on fait n'importe quoi. Et pêcher, fais-moi un plaisir. Allez, on dit petits poissons, fais-moi un plaisir aussi. Mais en question, l'eau a acheté tout. Poisson là, ça on va faire plus, on va venir après bon la rue. Ah oui, pour faire la monnaie, pour faire l'essence, on va obligé de venir. Hein. Mais ça rapporte dans l'eau là, on va arriver à vivre, comment on va faire? Ça on va pêcher comme on voit, comment on va prendre? Alors, on va faire au moins
2500, 4000. Non, pas moi. Oui. Mais moi, j'ai un poisson qui travaille avec les gros bureaux et les gros. Ouais, mais ça dépend de quel poisson. Si tu prends un espadon, un sous l'espadon, tu peux faire 2500, ça dépend. 2500, 2400, ça dépend. Il y a des règles à respecter lorsqu'on est, on est pêcheur. Oui, oui. C'est quoi ces règles? La mer, surtout la mer. Pourquoi répéter ça souvent? La maîtresse. Ouais, la maîtresse, voilà, la maîtresse. Ah bon? Ouais. Pourquoi faire parfois ce qu'on dit, bah, peut-être qu'à faire, on va prier Dieu, on va prier. Oui, surtout que... là, je parle de moteur, je suis grand dehors, en grande mer, puis moteur qui n'a pas dans les nous parce qu'il est chaud. Ah bon? Ah ouais. Tu as déjà eu du moment de frayeur, mon pote? Ah ouais, là, retien. La canine retient aussi? Ah oui, retient qui a venu bon quand on va. Ouais. Là, on ne pas marcher ça, on ne pas bien garder dans la mer, puis là, on tourne d'eau, regardez, retient en devant. Hein. Ah bon? Ah oui. Ben, en forme, on a plongé dans le séon, un côté qui est en gauche. Et bien là, je plongé. Regarde, en gros, il tient blanc, c'est bon. Je me dis, hey, hey. Mimoman, je dis. Arrêtez. C'est-à-dire, attends, on va sortir du bateau là, en fait. Voilà. Et de là, je vais faire plonger sous marine, je vais sortir, je vais plonger, je vais faire tout bien. Pendant le camarade, qui a pêché la ligne, qui a pêché tout poisson. Et puis nous là, c'est quoi amusement la pêche là? Mais parfois, les nids des mauvais temps, ça on va faire en fait techniquement, les nids mauvais temps. Les nids mauvais temps, c'est que je vais aller quand on m'a atteint. Ah ouais? Ah. Ça c'est quand nous? Oui, quand on m'a atteint. Encore nous, qu'a coûté combien? Quand on... Bon, ça va dépendre de quand nous. Encore nous, on a 3000 euros. 3000 euros quand nous? Oui, 3000 euros. Nous avons 4000, 14000, 15000. Ah ouais? Mais là, c'était en promotion. Hein, ah ok. Bateau. Notre bateau qui est à côté là, encore plus cher. Qu'est-ce que nous fait là? Ouais. Nous allons chercher la glace. La glace pour poisson, pour ça. Pour conserver. Chalet, poisson, pour ça conserver. Mais notre capacité est à bon bateau encore, non? Oui, bateau oui, là. Oui. Mais contre notre capacité pour poisson, en fait, nous, voilà. Nous, c'est pas nous, pas maman et Préchet, nous, c'est maman et Saint-Pierre. Ah, d'accord. Donc là, en fait, comme nous, c'est. Zilé, vous connaissez Zilé? Rouchia qui est en face machin. En face lancer où? Ah ben nous sortons pour poisson là, donc comme là, sur les lacs à battre pour les nous, donc nous passons dans la nuit et poisson là, là il y a la glace, les pêcheurs, tout ça, là il y a des poissons au frais, et puis nous passons pour ça. Pour nous faire ça, des poissons nous bien au frais, comme nous avons d'autres poissons à Bobatoa aussi. Donc voilà. Donc la pêche, ça va ramasser pour moi? La pêche, l'eau pour poisson, ça ramasse, oui. Le, c'est pas au bout du rapaci là qu'on sait pour qu'on y arrive en mer. Poisson rase en nous. Il est dans la ligne. Il est dans la ligne. Ah oui. Il est dans la ligne. On peut pêcher la nuit aussi. Ah oui. C'est la ligne noire qui est bon. Qui ça dire? La lune noire. Et vous ne pouvez pas aller la nuit tout seul en mer? Non. Mais non. En fait, lorsque la pêche, vous pouvez mettre vieilles pour votre tête. Ah bon? Ah non. Et Timon, je vais vous poser une question. Plus bel souvenir où il y a dans son affaire, c'est qui ça? Déjà, c'est beau bête, mais après, je me garde, mon Dieu, tout le monde content. Là, c'était pas mes parents, mon cocher, ils m'ont dit, mon père, jamais, il veut aller. Là, je me garde, moi, je vais, puis, ben, moi, il veut aller. Et vos plus belles souvenirs, au niveau comment? Mon plus bel souvenir, moi, c'est Sobmain, c'est les poissons rouges là, quoi. Moi, j'ai un bon poisson rouge à bord la rivière, et c'était sensation. Du fait, moi, les poissons, on peut aller là, pour lutter, pour essayer de ramener à terre. Et puis, plus mauvais souvenir, moi, par contre, c'est en Hébreu, hein. Parce que l'or allé là, c'est pas si l'homme, mais qu'on va là, c'est gros l'homme. Gros l'homme. Donc, quand on monte à 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres de vague. Et puis après, ça, l'eau, on est l'homme, c'est pas tout ni force, hein, parce que c'est... sinon, c'est mal de mer. On y garde, tu à monter, puis camarade, mais là, moi, ça trappe un coup de mal de mer. Comme si, moi, explique, on va quand même. Ah ben, l'homme, il y a un brin comme ça. Comme on dit, c'est pêcher, c'est pas jouer, hein. C'est un travail raide, hein. C'est lever grand bonnet. Et puis, c'est. Voilà, c'est. Profitez-y, ça va pas grave à nous. Hein. Si pas ni, ben nous rentrons bordeaux.